prochaine personne de l'épisode. Félicitations, bravo cher David, bravo. Alors juste, on vient de me dire que c'était l'anniversaire de Dominique aujourd'hui. Et même ta profession avant le trading. Voilà. Donc en fait, j'ai créé des entreprises assez jeunes. D'accord. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. En tout cas, il y a une chose que je savais, c'est que je ne voulais pas bosser pour quelqu'un. D'accord. Donc j'ai galéré un peu. Oui. Ensuite, j'ai trouvé ma voie. D'accord. Puis j'ai développé des business un peu partout, à l'export surtout, principalement, dans le monde entier. Okay. Voilà. Maintenant, j'arrête mes activités. Oui. Bon. Et donc, comme j'étais quelqu'un actif, j'ai besoin d'activités toujours. Bien sûr, bien sûr. On a dit à notre ami là. Oui. Voilà. Donc, en ce qui concerne les marchés, j'ai commencé à m'intéresser aux marchés, mais d'une façon complètement en dehors de la manière dont tout le monde le fait ici. Bien sûr. Et donc, de 2005 à 2007-2008, j'ai bien gagné, ça a bien marché, mais je pense que tout le monde pouvait gagner. Bien sûr, c'était un marché aussi. Voilà. Ouais. Et puis donc, disons, en 2008, je me suis fait ramasser comme une bête. Ok, d'accord. Et il m'a fallu quand même jusqu'en septembre 2014 pour sortir la tête de l'eau. Quoi. Et en fait, il m'a fallu 6 ans. Il faut être rappelé qu'en 2007, on a eu un grave crack et la crise des subprimes. 2008 avec Lehman Brothers et compagnie. Voilà. Et bon, sur le plan technique, on est bien d'accord, Dominique, que c'était vendeur, mais tu n'étais pas encore. Non, mais je n'étais pas là-dedans. J'ai fait, disons, quand j'écoute Tammy, disons, maintenant je ris parce que. Bien sûr. Parce que je suis sorti la tête de l'eau, quoi. Avant je rigolais moins. Oui. Et donc, en fait, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire moyenne à la baisse, etc. Ouais. Bon. Voilà. La cata, ok. Tout bien. D'accord. Internet de Dominique, les erreurs. Oui, voilà, donc, je pense que c'est important de dire ça. Bien sûr, c'est ça. Donc, 6 ans. Oui. Et donc, ça aurait pu me décourager et puis de dire, bon, j'ai fini, oui. Maintenant je me barre, je fais autre bien chose, sûr. Je ne fais plus. Bien sûr. Mais j'adore ça, malgré ce que j'ai subi. Et donc, je me suis dit, là, maintenant, si tu veux continuer, il faut faire sérieusement. Bien sûr. Hein. Et donc, j'ai trouvé votre bouquin, pardon, oui. Tommy, sur iTunes. Je l'ai lu. D'accord. Et franchement, bon, j'ai trouvé là-dedans, en fait, je me suis dit, j'aurais lu ça avant, ça aurait été ça mieux pour moi. Ça m'aurait évité. Puis après, il y a eu le salon de l'analyse technique. Oui. Et là, je vous ai rencontré à nouveau. Oui. Donc, je vous ai envoyé un truc. Et c'était tellement trop. Oui. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est énorme. Parce que Dominique, il m'a dit, c'est trop. Mais ben oui. Je vous ai vu, je me suis dit, voilà, je me suis dit, il est encore plus fort que fort au niveau market, là, il est une embrouille incroyable. Donc, franchement, j'étais sceptique. Puis je me suis dit, bon, normalement, un mec qui embrouille, il y a 2 ou 3 trucs. Ouais. Hein, mais là, il y avait une succession de choses qui étaient vraiment concrètes, vraiment vraies, etc. Ouais. Je me suis dit, c'est pas possible. Bien sûr. Là, il y a vraiment quelque chose sous le capot. Ouais. Hein, ouais. Dit, voilà. Ouais. Et donc j'ai dit, bon, je vais pas me poser des questions pendant 107 ans, j'y vais. Ouais. Donc, j'y suis allé.
Et donc, bon, verdict. Comment? Verdict. Ben, verdict, il est fantastique. Ah. Parce que, bon, là, pour l'instant, je ne publie pas trop. Je travaille beaucoup, oui. beaucoup, beaucoup, comme tout le monde. Hein. Tous les jours, bien je sûr. Suis sur les cours. Tous les jours, je fais bien sûr. Bon, et je m'aperçois que tous les jours, dans les cours, il y a tout ce qu'il faut. Oui. Oui. Il y a tout oui. ce qu'il faut. Oui. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Simplement, c'est une mine. Et il faut toujours creuser la mine. Tout à fait. Voilà, tout à fait. C'est tout à fait. Ça. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui font ça et ensuite qui vont voir ailleurs, etc. Non, alors non. que, en fait, le trésor, il est là. C'est-à-dire, voilà. effectivement, le secret, c'est le travail. Tout à fait. Vous avez tout ce qu'il faut. Il faut juste travailler et persévérer. Et si, effectivement, vous arrêtez au moindre échec, vous n'irez pas très loin. Et c'est pas, effectivement, il n'y a pas d'autre formule miracle. Je pense qu'effectivement, c'est un condensé de ce qu'il faut savoir. Après, on peut peaufiner, ça ne pose pas de problème. Mais au moins, si vous maîtrisez ça, c'est déjà énorme. Hein. Younes qui... C'est super, c'est-à-dire il dit, voilà, je ne travaille que le DAX, il se débrouille super bien, et je pense qu'effectivement, ça suffit amplement. Et beaucoup de gens se compliquent la vie, alors que tout est devant. Et justement, la simplicité de la méthode nous permet d'aller plus loin encore dans tout le détail. Si on avait quelque chose de plus complexe, je pense qu'en fait, on essaierait de survoler un peu oui. Tous les oui. éléments. Oui. Et en fait, la richesse aussi de la méthode, c'est sa simplicité, bien le sûr. Fait qu'elle soit simple. Ben, on ne peut aller chercher que dans ce qu'on a là. Et donc, on va de plus en plus en profondeur et on s'aperçoit qu'à chaque fois, il y a quelque chose qu'on a lu et finalement qu'on n'a pas percuté et qui est là. Et voilà. Donc, pour moi, c'est fantastique. Bien sûr. Bien sûr. Hein, et donc, là, depuis maintenant septembre, je gagne. Donc, bravo. Je suis heureux. Bravo. Donc, si vous voulez, il y a en plus la réalité, c'est le résultat. Oui, voilà. Donc, je ne peux que remercier. Alors aussi par rapport aux promotions précédentes, c'est vrai que moi je suis super heureux d'être avec tout le monde ici. Ouais. Et je pense que les promos précédentes, au-delà d'un savoir qu'elles ont laissé en héritage, c'est tout à fait juste, elles ont imprimé l'état d'esprit. Bien sûr. Voilà. Ouais. Donc on retrouve par exemple de l'entraide, tout un tas de choses extrêmement positives. Et celles qui ont donné l'esprit bien un sûr. Petit peu de la TKL telle qu'on la vit aujourd'hui. Donc merci beaucoup à. C'est très bien ce que dit Dominique, et c'est justement, alors bien évidemment, moi ça m'a joué des tours, hein, parce que bon, comme tu peux dire, mais c'était vraiment l'état d'esprit que je voulais au sein de l'école, c'est-à-dire. Premièrement, il y avait des valeurs que moi je considérais comme importantes, c'est-à-dire vraiment cette notion de partage, cette notion de voilà, quand tu disais c'est trop, ensuite tu t'es rendu compte que c'était moi. Ouais. Tu t'es dit, bon, tu me vois tous les jours, tout le monde me dit, je ne sais pas qui est-ce qu'il y a qui m'a dit, alors je pense que c'est Marc. Marc, il me dit, mais comment tu fais, tu as tenu toute la journée, etc. Et il m'a dit, Marc, tu es où voilà, Marc, il m'a fait une remarque hier, il m'a dit, Thalie, il m'a dit, même quand tu es comme tout le monde, tu es un être humain, il m'a dit, même, et tu dois probablement être énervé, mais durant tes quatre marquettes, tu ne t'es jamais énervé, enfin, ça dépend avec qui, mais il me dit, tu as toujours la pêche, c'est ça ce que tu m'as dit, il m'a dit, tu as toujours la pêche, tu es toujours à fond. Et je lui dis oui, je lui ai répondu, il peut m'arriver de me disputer ou d'être hyper énervé 3 minutes avant, mais quand je suis avec TKL Markets, quand je suis avec vous, il faut que je sois avec vous à 100%. Donc j'oublie tous mes problèmes, tous mes soucis, etc. Par exemple, je ne sais pas moi, n'importe quel problème, et je me focalise sur vous. Parce qu'effectivement, voilà, c'est ma mission, c'est ma tâche. Et donc, c'est encore une fois, c'est une manière de travailler, une manière d'être. Et beaucoup d'étudiants m'ont dit, voilà, c'est communicatif, tu nous communiques ta motivation, et encore une fois, voilà, et c'est ce que me disait Marc, et je me dis, effectivement, je ne peux pas être effectivement mou, ou triste, ou voilà, il faut que je sois à fond la caisse, il faut que je sois à fond dedans, parce que c'est important, parce que c'est, si je suis négatif, bah, je vais vous transmettre ce pessimisme, cet état d'esprit, alors que sur les marchés, encore une fois, vous voyez, c'est dur. C'est pas facile. Et si vous n'avez pas un état d'esprit de entre guillemets, hein, à l'américaine winner, si vous n'êtes pas effectivement dedans, si vous n'êtes pas à fond, vous n'irez pas très loin. Donc, c'est vraiment un état d'esprit de sportif et donc de quelqu'un de positif. Hein, parce qu'un bon sportif, pour moi, c'est quelqu'un de positif. S'il croit pas en lui, il réussira jamais. Donc, il est positif, il croit en lui et il fait le maximum. Non, mais ce qu'il y a, bien, moi, je vais pas me.
aussi que ce qu'on peut attendre. Hein. Et tu bosses énormément, toi, par exemple, le cours là, sur les US. Oui, sur les US. Hein, où tu as bossé. Je suis encore fatigué. Donc nous, si on est un peu correct, on est tous corrects ici. Oui. On se dit, attends, ce mec-là, voilà, il faut qu'on y aille. Donc, tu es un modèle, au-delà de ce que tu nous apprends, tu es un modèle. Et donc, ça peut arriver, quoi. Tu te dis, putain, faut y aller, quoi. Parce que ce mec, il est là, quoi. Et donc, il mouille la chemise pour nous. Donc, nous, on n'a pas le droit de se décourager, de voilà. Donc, c'est un ensemble, tout ça. C'est un ensemble. Donc, faire monter un truc vraiment bien, quoi, tu vois. Et donc, c'est vrai que, personnellement, mais là, je parle en mon nom, je t'encourage vraiment à renouveler cette communion qu'on a entre nous, là, tous les ans, quoi. Ouais. Tu vois, franchement, en plus. Donc là, t'as fait une bêtise. Pourquoi tu veux dire ça? Oui, c'est bien. Merci infiniment.